Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Avant de partir pour notre petit tour de plaine, je voulais simplement vous signaler que c'était le dernier moment pour pouvoir voir la formation machinisme d'aujourd'hui et accéder. Ça ferme samedi soir à minuit. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore y aller et bénéficier des bonus de la formation télescopique, de la garantie 90 jours et puis, j'allais dire, des autres bonus et de l'intérêt de pouvoir vous former. Donc voilà, samedi soir minuit. Allez, je vous laisse là-dessus, on part tout de suite faire un tour de plaine. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tour de plaine. Donc on va aller voir quelques cultures et voir leur état d'avancement. Alors c'est vrai que le printemps a été plutôt sympa. Alors ici je commence tout simplement par des oignons. Voilà, on est dans des oignons bio. Alors là, vous avez peut-être remarqué, voilà, je vais me tourner quand même du soleil, mais que j'avais pris une petite douche déjà ce matin, tout simplement en mettant en route l'irrigation goutte à goutte à oignons. Et puis là on va regarder un petit peu. Alors on voit qu'ils sont pas trop mal avancés. Hop, voilà, plutôt sympa. Et on voit le goutte à goutte en fonctionnement ici. Voilà, vous voyez goutter tout doucement. Donc là, on vient juste de le remettre en route. Donc l'objectif, ça va être tout simplement de les mouiller régulièrement. Donc c'est-à-dire qu'on passe deux fois par semaine en principe pour mettre entre 10 et 15 mm à peu près pour que ce soit assez bien humide. Et voilà, alors il y en a qui m'ont parlé de moisson. Alors sans transition, je vais tout simplement vous montrer un petit champ. Alors moi j'ai pas d'escourgeon cette année. Il y en a un qui a été battu juste à côté de chez moi, ici tout simplement hier. Donc c'est assez récent. Et on voit que ça avance pas mal. Alors pour autant il y a encore des épis bien verts qui sont au-dessus. Voilà. Je vous rappelle que je suis dans le Pas-de-Calais, donc voilà. Mais on voit que ça avance pas mal, ça a pas mal jauni. Mais bon, pour nous, les blés seront pas tout de suite non plus. Enfin, voilà, on va passer en voir un à côté tout de suite. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Alors ici, on se retrouve dans les betteraves. Alors j'ai déjà enlevé ma veste, il n'est même pas encore 8h du matin et pour autant ça tape quand même. Alors la culture de betteraves cette année, c'est très bien implantée. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, nous, ça a été, j'allais dire, un printemps humide, à suffisamment de température. Alors l'état sanitaire global des betteraves est plutôt sain, voilà. On peut voir qu'il n'y a pas trop de maladies. Alors souvent moi pour repérer si j'ai des problèmes et si je risque de traiter, je me fie tout simplement au conseil de l'ITB et puis aux différents BSV qu'on peut recevoir. Parce que c'est vrai que là au moins on a les pressions maladies et moi ça me pousse à aller surveiller éventuellement dans mes parcelles, à aller vérifier voilà, si moi aussi en fonction de la variété, j'ai un souci et si je dois éventuellement faire un fongicide. Mais pour le moment, bon, pas de souci, c'est normal, on est encore en début de saison, même si voilà, l'humidité peut causer quelques problèmes et il faut tout simplement surveiller et puis j'allais dire écouter les conseils qu'on peut avoir. Ça permet d'économiser parfois un traitement fongi inutile. Alors j'avais des problèmes de repousse de pommes de terre. Alors on va regarder ça, c'est plutôt impressionnant. Vous voyez un peu ce qu'il en reste. Voilà, hop, voilà, ce sera peut-être mieux. Alors, manger tout simplement par des doryphores, alors ce qui est pas bon du tout pour la suite, étant donné que quand je vais remettre des pommes de terre dans cette parcelle-là, je vais avoir des petits soucis. Mais cette année, j'ai dû désherber à cause de ça. J'en vois même une qui commence à attaquer les betteraves. Bon, je pense pas qu'elle va trop apprécier forcément. Mais voilà. Ici, un désherbage, j'allais dire classique, et puis un binage. En fin de période pour essayer d'achever, j'allais dire, les petites mauvaises herbes qui pourraient rester, éventuellement aussi les repousses de pommes de terre, ça on a dégagé pas mal. Et puis un autre phénomène qui a attaqué les pommes de terre qui étaient dedans, hop, on le voit ici, tout simplement le mildiou. Voilà, alors si on arrivait à le maîtriser, là ça a séché pas mal dans les pommes de terre qu'on a pu traiter. Pour autant, voilà, ici dans les betteraves, elles sont tout simplement mortes. Alors j'aime autant parce que ça avait évité qu'elles se développent, mais ça a poussé aussi à traiter pas mal en mildiou. Mais ça, on va voir tout de suite après dans les pommes de terre de quoi on parle, quoi. Changement de parcelle. Alors ici, on se retrouve dans des parcelles de carottes. Alors on est dans des carottes bio. Alors c'est pour ça qu'on est assez petit. Mais on va voir, elles sont pas trop mal développées. Et là, j'ai le collègue qui vient faire un binage hier. On va regarder un peu ce que ça donne. Je trouve que le travail est plutôt bien fait. Voilà, alors comme je vous disais, c'est pas très grand, mais c'est normal, hein, ça a été semé après. Donc
on a procédé à un désherbage thermique avant. Pour autant, on voit qu'elles sont plutôt en bonne santé. Hop, on va faire un petit zoom dessus. Voilà, plutôt pas mal. On a quelques petites mauvaises herbes. Donc là, ici, on va devoir faire d'autres passages à la main, j'allais dire. Mais vraiment, le cordon est petit. Voilà, on a quelque chose d'accessible. Et au niveau travail, on n'aura plus qu'à désherber à la main, tout simplement, cette partie-là. Voilà, cette petite mauvaise herbe ici. Alors, le développement de la parcelle est plutôt homogène. On voit bien les routes. C'est plutôt sympa, je pense. Et je pense qu'on aura un développement correct de cette carotte. Alors ici, entre les routes, on va passer le butoir, ou plutôt la bineuse d'interrang. Mais là, on verra ça un peu plus tard. Alors là, je reviens dans un autre champ de carottes. Alors ici, il s'agit de carottes conventionnelles. Voilà, alors on peut voir qu'elles sont nettement plus belles, hein. Après elles ont été semées nettement plus tôt. Voilà, il n'y a pas de problème entre les deux, j'allais dire, il n'y a pas de concurrence, c'est pas la même optique et la même façon d'organiser ces semis. Alors on voit qu'au niveau du désherbage ça a été pas trop mal, pour autant il reste un peu voilà, de mauvaises herbes. Celles-ci sont bien atteintes, par contre celles-ci clairement j'arriverai plus à les avoir donc en désherbage. Donc là bah, c'est l'option tout simplement binage. Voilà. Qu'on peut voir par exemple ici, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est assez complet. Mais vous pourrez voir un peu comment ça se passe. En plus, l'avantage c'est comme j'ai quelques repousses de pommes de terre dans cette parcelle, eh ben, on va tout simplement pouvoir voir que j'arrive à les anéantir plus ou moins. Voilà. Ce qui va m'éviter, j'allais dire, d'avoir des repousses de pommes de terre et puis de passer du temps à les enlever mécaniquement. Et puis ici, on va pouvoir voir aussi tout simplement le système de piège à mouches. Voilà, qu'on verra aussi sûrement dans une autre vidéo assez complète, dans laquelle je vous expliquerai comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir comment on surveille et on évite certains traitements. Et surtout, on se garantit de traiter au bon moment et en toute sécurité. Alors ici, entre le côté gauche et le côté droit, il y a tout simplement une semaine de décalage en temps de semis. Ce qui est quand même assez impressionnant, et je vois dans la parcelle du collègue c'est pareil, on voit vraiment une grosse différence à ce moment là on a eu une attaque de mouche aussi, donc c'est assez impressionnant. Bon allez, on va changer de parcelle, je vous emmène avec moi en quad. Alors je vais tout simplement aller voir le blé de mon voisin, parce que moi le mien est assez loin et je ne vais pas pouvoir passer le voir pour cette vidéo. Alors on voit un peu l'état d'avancement, hein, c'est un peu la moyenne des blés qu'on a chez nous. Et donc c'est... Voilà, on voit un peu à quoi ça en est. Alors au niveau sanitaire, ça s'est tenu pas trop mal. Si on regarde, voilà. Alors au niveau de l'épi, c'est pareil. Alors on a eu un peu d'humidité. Je pense qu'il y a de l'eau en profondeur, donc... Les blés globalement sont présentes bien, on n'a pas encore eu de gros coups de chaleur jusqu'à maintenant, ça va peut-être arriver là tout doucement. Voilà, tiens, un petit épi blanc entre deux. Mais pour autant, voilà, au niveau sanitaire, ça ne présente pas de façon catastrophique, même si les feuilles du dessous ici sont un petit peu abîmées quand même. Voilà, la première feuille reste correcte, mais ça présente plutôt pas mal. Allez, on attaque tout de suite dans les pommes de terre, alors là, qui ont eu une croissance extraordinaire. Elle ne manque pas d'eau, étant donné que bah, j'ai tout simplement passé un coup d'irrigation cette nuit, pas plus tard que cette nuit.
On va voir un peu à l'intérieur de la parcelle comment ça se passe, mais c'est vrai qu'elles se sont développées à toute vitesse. Je ne vais pas avancer trop parce que ça m'a l'air d'être bien mouillé quand même. Je vais plutôt passer à côté dans les carottes. Alors on a eu des problèmes de doryphore dessus. Voilà. Vous voyez un peu les trous. Bon, pour autant, ça s'est assez vite calmé après le traitement. Là, j'avais pas de réchappatoire possible. Voilà. Il y a eu une forte attaque de mildiou aussi, un peu généralisée. Il y avait quasiment la moitié des parcelles en Picardie qui étaient touchées, atteintes. Mais pour autant, bah voilà, le temps sec est revenu à toute vitesse. Et là, bah, si j'en crois le BSV et puis mon système Mileos, bah, il n'y a plus de développement. Voilà. On peut voir par exemple, voilà, ici que ça a été atteint à un moment donné. Hop. Mais bon, j'ai effectué un traitement et il s'est desséché assez vite. Alors pour autant, ça pourrait revenir, mais là pour l'instant, on est dans des conditions très sèches. C'est pour ça que j'ai remis quand même en route l'irrigation. Voilà. Et je vais vous montrer un petit truc au niveau irrigation que je me suis amusé à faire, que je vous expliquerai un peu plus tard. Voilà ce que je vous disais. Donc c'est tout simplement bah, les seaux que j'ai placés. Pour voir un peu au niveau distance, voilà, on peut voir un petit peu d'aspect que ça a été mouillé aussi dans les carottes. Alors là, forcément, on est à, j'allais dire, à une trentaine de mètres dans la limite extérieure. Et on voit que malgré le réglage, eh ben, j'ai pas forcément énormément d'eau dans ce seau-là. Bon, je vais le faire de façon un petit peu plus scientifique quand même. Mais j'ai réparti 7 ou 8 seaux de part et d'autre pour voir, parce que parfois l'impression visuelle est impressionnante. Et voilà, ici, on est quand même nettement mieux. Voilà, bon, on n'a pas de recroisement sur la parcelle, donc forcément ça joue. Mais je m'amuse à faire ce petit genre d'essai régulièrement pour pouvoir essayer de voir si mes réglages sont bons. Alors après, ça dépend du vent, de beaucoup de choses. Hein. Mais pour autant, j'essaye d'optimiser ça parce que je me suis rendu compte certaines années qu'on avait vraiment des gros écarts très importants. Alors ici, en passant, bah, je remarque quand même quelques dégâts de gibier. Alors j'ai une... C'est une réserve ici, alors voilà, certains chasseurs me diront peut-être qu'il faut pas mettre de carottes dans la parcelle, bah oui, mais j'ai pas d'autre solution, ma rotation se fait ainsi. Et on voit que là, ils commencent à avoir soif et ils viennent attaquer les carottes. Il va falloir que je rappelle pour voir s'ils peuvent installer des bâches pour donner à boire à ce gibier et ses lièvres essentiellement. Alors ici, petit passage sur le champ d'un voisin, ou plutôt le jardin d'un voisin, c'est pas un agriculteur, hein, il s'agit d'un particulier qui a encore une parcelle juste à côté des miennes. Bah on voit tout simplement qu'elles ont été ravagées. Alors d'abord par les doryphores, voilà, on en voit quelques-uns ici qui sont en train de se régaler encore une fois. Hop, voilà, avec ça c'est pas évident de faire un zoom, donc j'ai pas de... voilà, donc ils se sont vraiment bien régalés. Et puis ça a été haché aussi un peu par le mildiou qui arrivait derrière, donc sans traitement. Voilà un peu ce que ça donne dans la parcelle. Alors le bord est un peu mieux, voilà, je sais pas s'il y a une variété différente. Voilà ce que ça peut donner un peu quand on ne choisit pas forcément des variétés peut-être résistantes. Et puis quand on a un problème de doryphore qui n'est pas traité du tout, même si voilà, on sait que ça revient de plus en plus et c'est un souci. Bon, heureusement qu'en bio, on a quand même quelques produits qui peuvent être efficaces et autorisés, j'allais dire naturels pour pouvoir le faire, parce que sinon ça deviendrait compliqué. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous en avez un peu et un peu plus sur mes techniques, j'allais dire, de culture et puis de suivi de culture. Je pense que c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se passe ailleurs que chez soi. Et puis ben, les différentes techniques, j'allais dire, que j'utilise pour économiser aussi en intrants, ce qui me paraît important vu les coûts des intrants. Et puis bah, je pense qu'il est inutile de polluer la planète à cause de ça. Bon voilà, écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un petit j'aime, un petit like, un petit partage, un petit commentaire ici en dessous. Et puis surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao !